Ich begrüße euch zu einer Spezialausgabe von unserem Entweder-Oder-Spiel zu unserer Edition. Ich begrüße Nico Moumingamelou von der BSC IB. Aber das Ganze findet auf Französisch statt. Donc, premièrement, ce que j'allais te demander, c'est ton première impression que tu as eu de Berne. Première impression que j'ai eu de Berne? Ouais. Bah, ma première impression que j'ai eu de Berne, je me dis, bah, c'est une ville très cool et tranquille. Donc, voilà ma première impression que j'ai eu. Donc, plutôt positif. Ouais, plutôt positif. Si tu pourrais renforcer, tu pourrais renforcer le BSC IB, tu chercherais soit Dimitri au Berlin ou Didier au BSC. Je dirais Didier au BSC. Et pourquoi? Bah, parce que vraiment, c'est un attaquant vraiment qui m'a beaucoup inspiré. Mmh. Hormis que ce soit mon cousin, c'est un attaquant qui m'a beaucoup inspiré. Donc, vous avez joué ensemble? Non, je l'ai vu jouer. Du coup, il m'a beaucoup inspiré dans son jeu et ses déplacements. Ouais. Donc, je préfère au BSC. Ok. Et donc, parlons aussi compatriotes. Je pense aussi qu'après une saison pareille que tu as fait avec les Young Boys, tu seras sûrement aussi nommé pour la CAN. Là, avec la performance que j'ai fait la saison, je pense que je mérite. Après, c'est une décision qui revient à l'entraîneur. Donc, on croise les doigts pour que ça se passe. Donc, j'y crois. Là. Et comment tu ressens en fait la relation avec Sidor, c'est ça? Clarence Sidor? Bah, la relation, elle est bonne. Il m'a toujours dit que je suis un joueur sur qui il compte. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Donc, parlons de la CAN aussi, tes pronostics. Tu dirais, en finale, tu verrais qui d'abord? En finale, je verrais... À part le Cameroun. Ah, ok. À part le Cameroun. La RDC, quand même. Ouais, je vois le Sénégal aussi. Hein. Ouais, il y a plusieurs favoris. Hein. Il y a la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Nigeria, le Sénégal, le Rotterdam. On espère bien. Et pour finir, ton match préféré, soit le 3-1 contre Bâle ou Saint-Jacques, ou le 2-1 contre la Juve, ici. Ouais, je dirais le 2-1 contre la Juve, parce que c'était vraiment un match incroyable. Donc, je dirais le match contre la Juve. Et tu confirmes vraiment que ta prestation, c'était vraiment un match référence, quoi. Ouais, de ta carrière, du coup. Ouais, ça c'est vraiment un match référence et je pense que j'aurais encore pu donner plus. Donc c'est un match référence. Super, félicitations et tout le monde pour l'avenir. Merci. On espère t'avoir encore longtemps. Merci. J'espère aussi. Salut. Das ist der zweite Part. Anschluss nach dem Moumingamelou haben wir unseren Guerrier Warrior Kevin Babo in der Building. Zum zweiten Mal hat er schon letztes Mal auf Blackheart Radio besucht. Bienvenue pour la deuxième fois. Merci. D'une autre façon, ici dans les vestiaires. Et d'ailleurs, je voulais savoir, nomme-moi ton local préféré à Berne et pourquoi. Local? Bon, que ce soit resto, que ce soit boîte, que ce soit... Si tu me connais, ça va être restaurant déjà. mon restaurant préféré, bon j'en ai plusieurs, mais celui que je vais le plus c'est Fugu. Mm-hmm. Donc il faut le riz sauté, je pense pour moi c'est le meilleur que japonais, j'ai. Japonais là? Ouais. Ouais. Celui-là japonais. À la gare là? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Japonais thaïlandais et je pense que c'est là-bas où j'ai mangé le meilleur. Ouais, parce que c'est vogue et tout, et puis en même temps aussi, c'est quand même aussi un peu, il y a des légumes et tout, c'est pas que fried rice à la sauce, je sais pas. Easy. Et qu'est-ce qui va te rester le plus de ta phase de vie à Berne? Avec le foot aussi ou... En général, ouais. Foot et privé. Avec le foot, je pense le titre de champion l'année passée. Et la Meister Fire aussi, c'était vraiment une... Laquelle qui était bon. La première, je pense, c'était vraiment turn-up. Ouais, c'est là que la parade, c'était vraiment une très belle journée. En plus, ce jour-là, c'est l'anniversaire de ma mère, en plus. Ah. Et niveau privé, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. À part la naissance du premier enfant de mon frère récemment. Félicitations. Merci. Et, sinon, niveau privé, il n'y a pas eu... grand chose, ouais. Pas d'enfant qui arrive comme toi. À son tour. Non, quel a été ton match clé chez IB selon toi?
Match clé. J'en ai deux cette saison contre Dinamo Zagreb. Je marque le but. Quand on fait un ici et peut-être le match contre la Juve, quand on gagne, parce que c'est vraiment un match exceptionnel de la part de toute l'équipe. Et, et aussi personnellement, j'ai fait un bon match, donc c'était beaucoup d'accomplissement sur ce match-là. Et tu as ressenti aussi la pression de jouer contre un des deux meilleurs de l'histoire du foot. Tu l'avais à tes côtés, donc il était sur ton côté. Pas la pression, mais plus l'envie, la détermination de tout faire pour le bloquer. C'est vraiment beaucoup de force et beaucoup de bonne énergie qui sont venues pour tout faire pour l'arrêter. Ouais, absolument. Non, je l'ai vécu de cette façon aussi quand je l'ai regardé le match. Et ben, donc tu dirais cette victoire, elle a beaucoup plus de valeur que ta prestation contre United ici. Personnellement, individuellement, peut-être pas, mais collectivement, oui. Collectivement, oui. Parce que quand je pense les blocs, Martial, Pogba, ça fait mal, quoi. Ça fait le tour. Ouais, ça c'est vrai, ça fait le tour. J'ai reçu pas mal de messages, mais tu sais, moi, je pense toujours d'un point de vue équipe et je pense que c'est le match contre la vie. Absolument, super. Et en route pour un match décisif, on a déjà parlé de ça, tu écoutais par exemple Butterfly de Travis Scott et tout. Mais si c'est un match bien décisif, c'est soit la trappe ou bien l'afro-trappe que tu tonges avec ou bien que tu te mets en transe. Les deux, j'ai une bonne playlist dans. Qui est mélangée donc. C'est mélangé, il y a un peu tout, il y a même un peu de rap anglais aussi avec des. UK. Du UK rap et avec des gros beats pour vraiment me mettre dans le mood. Ouais. Pour partir me battre sur le terrain. Bah, c'est marrant quand on voit par exemple descendre du car, marcher dans les garde-robes et tout, vous êtes hyper calme, mais donc je ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'il y a dans les écouteurs. Ah ouais, on marche calmement, dans la tête c'est complètement l'opposé. Ouais, c'est sûr, il faut garder le sang-froid et tout. Et dernièrement, pour finir, l'adversaire le plus désagréable que tu dirais, soit Raheem Sterling ou Jadon Sancho. Franchement, c'est difficile parce que Sterling il fait une énorme saison. Je pense qu'il fait la meilleure saison de sa carrière. Et on a vu cette saison aussi l'ascension de Sancho. Mais je vais prendre Sterling parce que d'un point de vue statistique, il a été beaucoup mieux que Sancho. Donc je dirais Sterling. Tu dirais aussi en point de vitesse. Aussi pourtant, toi, tu n'as pas aussi de problème conditionnel aussi, mais lui, vraiment, c'est ça. Ouais, je dirais plus dur de jouer contre Sterling. Ouais. Maintenant, c'est cool. On a vraiment beaucoup apprécié ton passage chez Young Boys. Et on te souhaite pour l'avenir tout bon. Et bon début, la Bundesliga. Rock that shit. Merci. Salut. Blackout. 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 Blackout.